Et bonjour, c'est Aliver. Et donc on se retrouve pour une nouvelle fois sur Sport Créature, non? On y est toujours et tout va bien, hein, on va dire. D'ailleurs, attends, faut que je teste un truc. Non, c'est bon, tout va bien. On peut démarrer la partie et reprendre où on en était. Alors. Et bon, il y a la censure, donc continuer. Bon, alors, si je me souviens bien, j'avais aidé le truc là-bas à faire creuser ses trous. Lui, je l'avais aidé à faire ses machins. Donc c'est parti pour aller faire je ne sais quoi encore. Hein. Il y a un Weepli là-bas, on va essayer d'être mon ami. Il veut pas être mon ami. Attends, attends. Tiens. Bon, il veut pas être mon ami hein, pour le moment. Attends, on va essayer de le nourrir un peu. Voir si ça marche. Alors. Allez, vas-y. En fait, tu sais quoi? Va te faire foutre. J'en ai marre de toi. Dans tes fesses. Alors, pas de Weepli, yes. Voilà. Là, il y a un truc, là, je sais pas ce que. Pas de l'XP. Alors. Je vais ramener un caillou. Pourquoi je vais ramener un caillou? Ça doit être pour le péter le rocher. Oui. Ils sont où les cailloux? Bref. Oui. Hop là. Donc, non mais casse-toi! Et paf! Ah bah c'est l'XP. Voilà. Hop. Bon, je vais aller agresser l'autre Weepli parce que j'en ai marre de. Ya! Je l'ai défoncé. Hop, patte arrière Weepli. Là, il semble avoir des trous à creuser, donc on va les creuser. C'est ça que ça marche. Hein. Pour l'instant, il semble juste avoir de l'XP. Putain, il y a des vénères là-bas. Enfin, ils ont l'icône rouge pas content. Y a un truc là non, y a un sporien. Attends, il est où? Eh, c'est un sporien Weepli. Attends, on va essayer de le. Attends, on va le balancer là. En attendant, on va le. On va le rester. Bon bébé, tu restes là. Moi, je vais aller niquer les membres de ta famille. Je vais aller me les faire.
Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 hop. J'ai pas beaucoup vu mes combats quand même. Oh les nageoires 8 plis. Putain, mais le robot. Donc, par contre, ils sont deux là. C'est chaud. Hop, hop, hop. Yes. Alors. Et ça, c'est bon. Hop, hop. Alors, je vais ramener le sport. Bien. Cinématique. On dirait que ce Bushishi n'éprouve aucune difficulté à marcher sur ses épines. Je dois trouver des pattes pour m'aider à traverser. Traverser le pont. Où j'ai mis le... Oui non, c'est ça qui est rigolo, c'est que... Je lis pas le texte en fait, j'ai pas lu le texte pour le ni. Ah, c'est pas grave. Je vais me rattraper pour les prochains textes. J'ai l'impression qu'il y a encore un trou ici. De l'XP. Alors. Le nier a le fond de la domination, le nier a retrouvé la vie. Est-ce que je peux le. Ok alors. Je viens de te faire naître le truc qui m'agresse déjà quoi. Non mais c'est ridicule ça. Ok, j'ai annihilé toute ta famille, et alors? C'est pas parce que... hein. Nageoire, oui, oui, oh. Allez, on va séjourner ici. Alors, qu'est-ce que je peux... À quoi je peux ressembler? Alors... On va rester sur ça. Déjà on va prendre ça parce que... Parce que voilà. Hein. Ensuite, la bouche Whipply. Bon, je suis absolument horrible, mais c'est pas le plus important. On va mettre les petits bras. Ah, ensuite, les pattes. On va mettre ça, parce que c'est important, en fait. Voilà. On va mettre ça qui va avec. Ah, je peux marcher en eau. Ah, ça, c'est cool, ça. On va mettre ça. La queue, on va prendre un truc contre coup critique. C'est utile. Voilà. Les bras, bah du coup je vais pas pouvoir prendre ça, mais voilà. C'est quoi le truc de l'œil déjà, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, et attends. Atelier de créature. La vue. Mais oui, mais je veux bien, mais il n'y a pas de... J'ai pas encore d'objet de trucs qui me permettent de faire ça. Non, c'est pas grave. Pour les bras...
Déjà, j'ai une défense, décente. On va prendre des petits bras d'acrobe. Et je suis fin prêt. Je suis horrible, mais je suis fin prêt. Alors. Agressive. Tout ce qui se mange. Puissance d'attaque monstrueuse. Je suis un roc. Quelconque. Mais nique-toi. Voilà. Donc là, je peux marcher partout. Voilà. Eh, oh. Bon, apparemment, on me laisse pas marcher en eau profonde. Hein. En tout cas, on va marcher sur l'herbe. Je sais pas ce que c'est des ronces, c'est du poison. Attention aux épines. Les espèces ne cherchant pas à évoluer dans la forêt risquent de souffrir. Bah, je m'en fous, parce que je suis... Tiens, faisons un mini, toi. Deviens mon ami. En attendant que mon énergie se recharge. Hein. Hop, palap, palap. On fait des câlins, il va me proposer une danse, ça va être hyper galère. Et... Voilà. Faut vraiment être ami avec tout le monde, hein. C'est très important dans ce jeu. Bon, ça va. Objectif atteint. Alors, oh, c'est les Jonko. Ces créatures sont très inquiètes. Si tu veux faire ami-ami avec elles, elles se calmeront peut-être suffisamment pour me dire où se trouve la pièce de la soucoupe. Objectif, faire ami avec lui. Il est jonglot, mais il est ami avec moi, lui. Putain, c'est vrai qu'ils sont... Nouvelle espèce trouvée. Alors... ils sont où? Jonko. De par leur imposante stature, les jonglots peuvent vivre en paix sans crainte d'être attaqués. En revanche, si vous les provoquez, ils deviennent redoutables, alors soyez prudents. Et après, j'irai les attaquer, quand même. Alors... Hep. Hop là. On va devenir ami avec les jonglots. Putain, mais je suis horrible, hein, vraiment. C'est... Cette créature est laide. Enfin, pas le jonglot, enfin, c'est un peu. Enfin, il est pas forcément très, très charismatique, mais. Enfin, il est déjà bien plus que. Que mon mob, enfin, il est ridicule quoi, merde. Toi. Mais vas-y, mais deviens mon ami. Soyons amis. Deviens ma meilleure amie. Oula. Putain, mais ça va durer 3 heures. Ah, génial, les jonglots regardent maintenant de mes avis. Ils ont également indiqué l'emplacement général de la pièce de la soucoupe. Nouvel objectif. Oui, trouver la pièce de la soucoupe manquante. Alors. Si vous êtes enterré quelque part dans le sable, en creusant les amas de poussière, je peux voir ce qu'il s'y cache. Oui, j'ai compris, ta gueule. Il faut que je fasse avec le stylet. Faut que là, je passe. Eh oui, pli. Ah. Attends. Bah, ça tombe super bien, ça. Ah, j'ai les bras jonglots. Ah non, c'est les bras oyoyo. Alors...
Putain, j'ai l'air horrible. Il ressemble plus à rien, bordel de merde. Putain, mais quelle créature des enfers. Waouh! Il me dirait qu'il y a quelques amas de poussière que je n'ai encore jamais pu voir. Ah bah, il y avait rien. On creuse. Je vois rien avec le machin. Il y a un buisson, très bien. Vous avez trouvé un buisson! Ah, la pièce de la soucoupe, elle est là. Hop. Oui, j'ai trouvé une nouvelle pièce de la soucoupe. Je me rapproche de petit Googie. Quand je serai prêt, je pourrai traverser la grotte et explorer le prochain continent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander au machin de venir. Alors, salut mon pote. Alors, mais je voulais pas danser. Oui, mais c'est difficile sur souris, merde. Alors, je voulais faire ça à la base. Oui, il est fort. Putain, il me fait mal, hein. Je sais que c'est plus mon ami avec moi, mais... Hop, et maintenant... C'est Shiro Yagami, hein. Espèce de connard. Bon, apparemment, il m'a rien offert. Et qui est... Fort dommage. Alors... Il m'offre rien, évidemment. Hein. Attends, ici, il m'a ouvert des yeux. Oui, non, mais... C'est rien. Ça coûte la peau du cul. Hop. J'ai pas besoin de ça. Hop, la nage argent sur les fesses. Et... C'est incroyable, il ressemble à rien. Bon, bref. Après avoir tué ces jonglogues innocents qui n'avaient strictement rien demandé, on va aller sur la... Oh, l'île de sable. On les sauvegarder, oui. Hop. Puis ils sont fixibisés. Oh, des yeux. Les créatures de Zaguerre et... j'ai pas de blague à faire. Sont très agressives, les Takatakos ont battu toutes les créatures de ce nid. Je peux peut-être leur donner un coup de main. Salut. Alors, nouvelle espèce trouvée. Microlope. Ces créatures nomades sont connues pour leur goût prononcé pour les zones désertiques. Capables d'y survivre, les microlopes peuvent errer longtemps à la recherche de nourriture.
Ouais, c'est une sorte de chameau. Sur des bases saines. Ça aura juste un câlin et pas une danse de mort. C'est quoi, qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est le microlobe qui a fait ce bruit? Ouais, il se coude à l'eau. Oh putain, ce bruit. Alors, il y a une merde là, non? C'est quoi? Ouais! Attention au terrain désertique, les espèces ne sachant pas marcher dans les airs risquent de souffrir! Oh la vache, il m'a fait mal, hein! Mais du coup, ça veut dire quoi, désertique? C'est genre. Enfin, désertique. Terrain désertique, c'est genre, il m'a. Ça brûle? Nouvelle espèce trouvée! Les Scrudalos! Les majestueux Scrudalos, grands, fiers, distraits. Ils abandonnent toujours des sporiens là où il ne faut pas. C'est quoi qui est éternué là? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer d'offrir à l'ancien Chronos sa nourriture préférée. Les vieux Scrudalos aiment commencer leur repas avec une banane. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour nourrir le Scrudalos, touchez le fruit, sélectionnez la main dans les icônes d'action pour la prendre. Pour lancer un objet, touchez-le et faites-le glisser. La cible rouge indique l'endroit où il atterrira. En principe, un plat principal, les Scrudalos aiment bien avoir du raisin. Alors, le raisin. C'est du raisin, ça, non? Enfin, j'allais dire c'est une mûre, mais... En dessert, les Scrudalos apprécient les baies. Alors, les baies. Où est-ce qu'on trouve des baies? Franklin, il partage ses baies, mais je suis pas sûr que Franklin se trouve dans ce port. Mission de haut vol. Il a l'air rassasié. Enfin, ça a valu la peine d'attendre, il a révélé une nouvelle pièce. Alors, attendez, je vais faire une ellipse. Désolé pour cette ellipse. Il a l'air rassasié. Enfin, ça valait la peine d'attendre, il a révélé une nouvelle pièce. Alors. Bras 1 Scrudalos, est-ce que je peux faire un mieux avec lui? Apparemment non. Alors par contre je suis un peu... comme on dirait normalement, ric-rac en nourriture. Ouais, pourquoi? Bah il y a mon compteur de vie qui est tout bleu. J'ai oublié pourquoi en fait. Voilà. Et bon, je me suis soigné. Tout va bien. Alors. Ah, un nouveau microlope. Regardez ce que ces méchants Takatakos ont fait. Tout le lit Scrudalo périt. Si je pouvais trouver un Scrudalos pour rien, je pourrais repeupler le nid. Pop.
Et alors? Il est content. C'est sérieux? C'est quoi cette danse de mort? Putain. Écoute, merci pour ta bouche. Alors, bouche macroc. Macro. Œil oblique, lorsqu'on est sociable, machin, ouais, bon, on s'en fout. Alors. J'ai bientôt évolué, donc. C'est un sporien, je dois le ramener à son nid en lui faisant des câlins. Alors, excuse-moi. J'ai trouvé un scrodal sporien, je dois le ramener vers le nid. Mais j'ai compris. J'ai pas besoin de lui faire des câlins, je vais juste le balancer dans son nid comme... comme un énorme déchet. Je me suis amélioré, yes. Fin de la domination, le nid retrouve sa vie. Les scrolls de son contrat, il va me récompenser. L'ancien chronos indiqué par le manager objectif sera sûrement d'une grande utilité. Alors je veux bien, mais déjà viens par là, toi. Putain, mais oui, mais j'y peux rien! Voilà, je... fais-moi juste des câlins, putain. Vos dents, c'est la mort, quoi. C'est ridicule. Oh, merde. Ta vie, c'était hard. Raspi du désert. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va voir déjà ce qu'il a à dire l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, l'ancien Chronos veut que je suis jusqu'à la main de poussière indiquée par le marqueur d'objectif. Et ben on va suivre l'ancien chrono. Alors qu'est-ce qu'il veut me montrer? Alors, il n'y a rien d'intérêt ici, je vais essayer le prochain amas de poussière, je serai totalement perdu sur ce marqueur d'objectif. Alors, toujours rien, plus qu'un endroit à respecter. Cette dernière fois, ça devrait être bon, mais je continue à suivre l'ancien chrono. Et bah, ce serait bien si l'ancien chrono, si papy, il mettait, s'il allait vite plus vite, hein. Il y a des sporiens. Il va se faire ami avec eux. Il
Alors, je veux bien te suivre, mec, mais... Aïe! Bon, apparemment, je peux pas le suivre pour le moment. Oh putain, je suis totalement ri... Ah, mais je vais crever, moi. Bon, en attendant de... En attendant de faire des trucs, hein. Les gens vont se soigner. Mais surtout, on va bientôt se dire au revoir. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon nid. C'est le truc qui est là-bas. Waouh, ces créatures, elles allaient dans des airs. Je me demande si l'un de ces humains ne leur rend pas vulnérables. Suivre le screw de l'œuf qui creuse et prendre les pattes spéciales des airs à Microlope. Alors, avant de faire ça, on va se mettre là et on va se dire salut!